je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, oh. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus. Jésus de Nazareth. Frère, l'année passée, nous avons dit que 2019 et 2020, les deux années là seront pour nous un temps d'abondance et de débordement. Et le 31 passé, j'ai dit que nous allons expérimenter. Frère, 2020, expérimenter l'abondance et le débordement. Expérimenter l'expérimentation. Dans 2020, mina basi nous jodo mego, go flako. Frère, une chose est d'entendre la théorie, d'entendre la parole. Loko wa ina yenisi oholo sur l'abondance. Sur le débordement. Et on a entendu pendant des mois l'enseignement sur l'abondance. Mais il faut maintenant passer à l'étape de l'expérimentation. Frère, si tu entends sans expérimenter, ce n'est pas vrai pour toi. Si tu entends
sans expérimenter, ce n'est pas encore ta vérité. C'est peut-être la vérité pour quelqu'un, mais pour toi, tant que tu n'as pas vécu ça encore, c'est une théorie pour toi. Mais notre Dieu n'est pas théorie. Ce qu'il dit, il le fait. Dis amen, je vais entendre ta voix. Ouvre ta bouche et dis encore amen. Je vais te réveiller premier dimanche de l'année. Dis amen encore. Lève-toi sur tes pieds et crie amen très fort. C'est le premier dimanche de l'année. Il ne faut pas commencer ça avec passivité. Et étant passif. Bien-aimé, ma parole de ce matin est beaucoup plus un conseil, une exhortation, qu'un enseignement, une prédication. Prenez 2 Timothée chapitre 2. On va lire du verset 4 au verset 7. Mina hia besson afoine toi faton kun opoto. Il, je vais lire, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Très bien, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bien-aimé, c'est dans la Bible dit, le laboureur, avant de maçonner, doit travailler. Ça, c'est le verset 6 qui dit ça. Le laboureur, avant de maçonner, de recueillir les fruits, doit travailler. Pendant que les autres sont au champ, en train de travailler, défricher, semer, si toi tu ne fais rien, au temps de la moisson, tu ne peux pas recueillir les fruits. La Bible n'a pas dit que le laboureur, avant de recueillir les fruits, doit prier. C'est ça qu'on a dit. On a dit il va gêner. Non. You must work hard. Dû. Transpirer. Aller au champ. Te lever tôt. Endurer le soleil. Et là, à la fin, tu attends quelque chose. Alléluia. Frère, et le verset 7 nous dit, d'abord remontons au verset 5 qui dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Très bien, couronné, c'est quoi? Frère, voyez, je prends par exemple la bosse. Si ton adversaire te donne le dos, même si tu le frappes KO, tu es disqualifié. Amen. Amen. Pourquoi? Dans les règles, c'est interdit de frapper ton adversaire dans le dos. Ton coup de poing peut être KO. C'est invalidé. Pourquoi? C'est hors règle. Amen. Amen. Si la course, par exemple, au stade, parfois, on détermine pour chacun un couloir.
Si tu sors de ton couloir, tu peux être le favori de la course. Tu es invalidé. Avant de donner le top, pas avant de frapper le pistolet. Si tu démarres avant le top, tu peux courir comme un cheval. Tu es invalidé. Alléluia. Amen. Il y a des règles. Au sein de l'éthique. Alors, la Bible nous dit Bible, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas compéti selon les règles. Quand on dit couronné, de manière ordinaire, c'est mettre la couronne sur. C'est aussi donner la médaille. C'est récompenser. Alors, l'athlète n'est pas médaillé ou récompensé s'il n'a pas compéti suivant les règles. Frère, le Seigneur compare notre marche avec lui à une discipline sportive. Il compare notre marche avec lui ou notre foi, notre vie chrétienne à une discipline sportive. Ou à un jeu. Alléluia. Amen. Et comme je viens de le dire, chaque discipline sportive est soumise à des règles. On ne joue pas n'importe comment. Bien aimé, pour pratiquer une discipline, la connaissance des règles est importante. C'est d'ailleurs la première chose. Quand tu veux apprendre à jouer, qu'est-ce qu'on apprend d'abord? C'est les règles. C'est d'abord les règles. Nous ne pouvons pas pratiquer une discipline sans connaître les règles auxquelles elle est soumise. Ou bien les règles qui régissent sa pratique. Et bien aimé, pour gagner dans une discipline, d'abord il y a deux choses. Il y a d'abord la connaissance des règles qui est obligatoire. Et autre chose, l'observation des règles est aussi obligatoire. Mon frère, suis-moi très bien ce matin. C'est là que se trouve le problème de la majorité des chrétiens. Notre foi ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des gens disqualifiés. Alléluia. Amen. Frère, si tu joues le ballon et tu commets certaines fautes d'une certaine gravité, l'arbitre va te sanctionner avec un carton rouge et tu es mis hors. Frère, beaucoup de chrétiens sont déjà mis hors du jeu. Nous avons déjà reçu carton rouge. Pourquoi notre faute est grave? Quand je parle de faute ici, je ne parle pas de péché. Mais je parle de la violation des règles. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Je dis, dans une discipline, pour gagner, il faut un connaître les règles, deux observer les règles. Frère, une personne qui normalement dans une compétition même pas favori, mais qui enfreint aux règles est disqualifié. Alléluia. Amen. Normalement, frère, j'ai vu de grands athlètes. Tous les pronostics les donnent gagnants. Tous les pronostics les donnent gagnants.
C'est-à-dire, tout le monde pronostique, tout le monde envisage que ah, c'est lui. Tant que lui est dedans là, les autres n'ont pas de chance. Mais avant ma prêt, il part avant le pas. Amoni, guapo, yena do na gbele wa kolombe wezo eto mo yi. Yena de ton soin mais. Frère, non, oui. Quand le favori est disqualifié, ça donne la chance aux autres. Nyendo me de to taji lo, ye de ton son ayun di dalo me eno na taragbe me gbole. Il y a beaucoup de chrétiens. Yi se no susu tin. Dans la vie de qui Dieu doit faire de grandes choses. To gbezan de ton me chiko ye do na wa. Destiné à de grandes choses. Ba ye kanu da hole do ye ji. Mais ils sont en train de s'amuser avec les règles. Amo ye to ayun de po sin le po. Il s'amuse. Avec les règles. Alléluia. Amen. D'autres ont bien commencé. Mais les volets bec ganji. Et en les regardant, on dit, ah, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va gagner. Leur vie promet. Mais quelque part en chemin, ils enfreignent aux règles. Et ils sont sortis du jeu. J'ai vu de grands joueurs sortis de l'aide de jeu en larmes. En larmes! Pourquoi? Ils étaient partis pour gagner. Mais quelque part en chemin, ils ont enfreint aux règles. Et ils ont été disqualifiés. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, tu ne seras pas disqualifié. Et s'il y a quelque chose, peut-être que tu ne connais pas, et qui fait de toi un disqualifié, que Dieu ouvre tes yeux sur ça aujourd'hui. Tu ne peux pas gagner. Même si tu n'es normalement pas favori. En enfreignant aux règles. Alléluia. Amen. Frère, c'est quoi j'entends par règles? Je vais vous expliquer rapidement. Les règles, de manière simple, ce sont des principes de conduite. Des principes de conduite. Alléluia. Amen. Des principes de conduite. Les règles sont également des modèles établis. Voici, pour ce jeu-là, voici le modèle qui est établi. C'est comme ça, on doit jouer ça. Amen. Amen. Les règles également sont des conventions propres à la pratique d'une discipline. Les règles, quand je dis convention, c'est que on dit et nous admettons que c'est comme ça, ça va se faire. Eh ben c'est des conventions qui sont propres à la pratique d'une discipline. On a dit. Et nous acceptons que ça se joue comme ça. Hello. Hello. Est-ce que vous me suivez très bien? Il a dit. Edo. Et nous acceptons que ça se joue comme ça. C'est la convention. Nous donné. Qui sont propres à la pratique d'une discipline. Enfin, les règles sont des principes requises. Ce sont des prescriptions plutôt, prescriptions requises. Amen. Amen. Pour le fonctionnement de quelque chose. Ou bien pour la bonne marche de quelque chose. Prescription requise. Pour le fonctionnement ou la bonne marche de quelque chose. Amen. Amen. Frère, notre Dieu est un Dieu de principe. Cette année, si tu veux expérimenter l'abondance et le débordement, il y a deux choses que tu dois faire. Un, tu dois connaître les règles que Dieu a établies pour expérimenter l'abondance. Deux, connaître ne suffit pas.
Deuxième chose, tu dois observer. Jésus a dit aux apôtres, il a envoyé dans Matthieu chapitre 28 verset 18, il dit, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, et il ajoute, enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Ça veut dire quoi? Enseignez-leur à observer les règles que j'ai établies. Nous avons dit que les règles sont des prescriptions. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte? Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique? Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et le jeudi de 19h à 20h30 à Porte de Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte de Vaux. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis. Au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. C'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train d'échouer dans un domaine de leur vie ou dans l'autre. Pourquoi? Soit ils ignorent les règles. Deux, ils ne veulent pas observer les règles. La prière ne suffit pas. On peut prophétiser sur ta vie jusqu'à demain. Il n'y a aucune onction sur la tête de quelqu'un qui va changer les règles de Dieu. Je veux que cela soit clair dans ta tête. L'onction travaille sur un terrain. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'onction travaille sur un terrain. Lorsque tu mets de côté les règles, tu es déjà disqualifié. Il ne faut même plus continuer à jouer. Tu ne peux pas être couronné. Ton effort sera un effort vain. Parce qu'au bout du rouleau, on va te disqualifier. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, compéti selon les règles. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. C'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Alors frère, là où tu fais tout ça ne marche pas. La première question que je veux que tu te poses aujourd'hui est, qu'est-ce que je dois faire pour que ça commence à marcher? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que ce n'est pas soumis? Est-ce que ce n'est pas soumis à des règles? Et je vais vous dire aujourd'hui, retenez, c'est clair dans mon esprit comme de l'eau de roche. Dans chaque aspect de notre vie, Dieu a établi des règles. Frère, je prends la vie conjugale. Prie comme Jésus. Les principes que Dieu a établis pour une vie conjugale heureuse, une vie conjugale de bonheur. Mets ça de côté et prie jeune 40 jours. Frère. Frère, Jésus a dit, listen to me. Jean 10:10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'a pas dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et soient dans l'abondance.
Église. Agon. Il n'a pas dit les hommes. Non. Mm-hmm. Il n'a pas dit les chrétiens. Il a dit qui? Mes brebis. Alors, pour espérer être couronné là, expérimenter ce qu'il dit là, il faut être de ses brebis. David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et nous avons dit être dans l'abondance, c'est ne manquer de rien. Ça veut dire quoi? L'Éternel est mon berger. Je serai dans l'abondance. C'est pas ça. Quand il dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire que lui, il est sa brebis. Je vous ai dit ici la première règle pour espérer l'abondance dans sa vie, c'est qu'il y ait un rapport berger brebis entre le Seigneur et nous. Oui, j'ai expliqué qui est berger, qui est brebis. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Hey, je dis alléluia à quelqu'un ici. Amen. Non, ce n'est pas pour, je ne suis pas venu pour que les croyants soient dans l'abondance. Non, mais brebis. Il dit, je connais mes brebis. Ça là, ce n'est pas pour tous les croyants. Et je vous dis toujours, frère, c'est là que les chrétiens se trompent. Frère, ce qui est écrit n'est pas écrit pour tout le monde. Non, tout le monde ne peut pas voir ça là. Je suis venu avec mes brebis à la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi l'abondance. Tu es qui? Quel est ton statut? Et je vous ai dit, quand j'ai enseigné que vous devez passer du statut de croyant au statut de brebis. Don't forget it. Tu dois passer du croyant à la brebis. L'église est remplie de croyants, mais il y a peu de brebis. Toute brebis va connaître absolument l'abondance. Sinon, la parole de Dieu n'est pas une vérité. Mais je sais que c'est la vérité. Et celui qui a parlé accomplit toujours sa parole. Alors, frère, deviens une brebis et tu ne manqueras de rien. Deviens une brebis. Ce qui manque aux croyants, Dieu te donnera, Dieu te donnera ça. Amen. Une brebis. L'ingbo. Alléluia. Amen. Frère. Non, oui. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens. Apostle Paul dans les Philippines. Et ça fait la troisième fois que je vous ai dit les mêmes choses. Mais pour vous, c'est salutaire. Frère, ce que tu as entendu, que tu n'as pas encore expérimenté, mais tu voudrais encore entendre ça encore. Frère, notre attitude de j'ai entendu ça déjà, c'est l'attitude d'un religieux. Quantité de choses que tu entends, parce que nous voulons entendre de nouvelles choses, entendre de nouvelles choses. Les nouvelles choses que tu entends et qu'on ne voit pas dans ta vie ne servent à rien. Ce n'est que des informations. Ah, des informations inutiles. Frère,
prends deux messages. Reste dessus toute une année. Et qu'on voit ça dans ta vie. Tu feras du progrès. Que celui qui a écouté des milliers de messages, il n'a jamais expérimenté. Nous sommes à la fin de nouveaux messages. De nouvelles révélations. Mais qu'on ne vit pas. Tu vas devenir une boîte à informations. Une boîte à informations. Tu deviendras orgueilleux. Oui, j'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Ils comptent les années 15. J'ai déjà fait 15 années. Quand quelqu'un commence à parler, on connaît ça. Quand tu vois quelqu'un comme ça, fuis-le. Je vous dis la vérité. Fuis très loin de cet homme-là. C'est un religieux. Il est aveugle. Nous comptons. Pourquoi on lit la Bible plusieurs fois? Normalement, quand on lit ça une fois, ça suffit. Vrai. Chaque année, du début à la fin, du début à la fin, je sais pas. Je lis ça parfois plusieurs fois chaque année. En 3 mois, 4 mois, je termine, je reprends. Pourquoi? Je vais vivre ce qui est dedans. Et frère, écoutez, pour beaucoup de personnes, le Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Oui, ça s'arrête là. Mais Dieu n'est pas réel dans leur vie. Dieu deviendra réel pour toi lorsque tu vas commencer à vivre sa parole. Et chaque chose que Dieu a dit, que tu as vécu, rendra Dieu plus réel pour toi. Ce sont tes expériences. Ce sont tes expériences qui rendront Dieu réel pour toi. Frère, cette année, je veux le voir autrement. Est-ce que tu peux dire amen pour toi? Je veux le voir autrement. Je veux vivre quelque chose encore que je n'ai pas vécu jusque-là. Ce n'est pas entendre de nouvelles choses. Mais je veux vivre de nouvelles choses. Montre-moi ton Dieu. Papa, ta connaissance de lui. J'ai un petit livre là. Le titre, c'est La connaissance spirituelle. Allez acheter Élisée. Le monsieur dit connaître les Écritures, ce n'est pas connaître Dieu. Alléluia. Amen. Frère, Fidiakpe, c'est-à-dire, tu le connaîtras selon tes expériences avec lui. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Cette année, ce que Dieu va utiliser pour toi, il y en a noté. Ils vont t'attendre. Tu n'as pas compris. Ils vont s'apprêter. Et attend ton arrivée. Dieu a déjà parlé à sa mère. Je t'envoie mon enfant. Où est le roi pour moi? C'est lui mon choix. Samuel était préparé et il attendait. Et je dis encore sur toi, au nom de Jésus de Nazareth, cette année, les gens que Dieu va utiliser, ils vont t'attendre quelque part. Dieu va les préparer, les instruire en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si tu n'arrives pas, tu n'auras pas fait. Les grands étaient là. Tout était prêt. Mais Samuel les a laissés pour aller attendre le petit Saül. Pourquoi? C'est lui le choix de Dieu. Je prie pour quelqu'un et je sens que ça va se passer. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi pour ça.
Même les gens, les méritants plus que toi, au nom de Jésus, on va les laisser pour te chercher. Je dis, on va les laisser pour te chercher. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça s'est passé avec David. Dans la maison de son papa. Ses grands frères étaient là. C'était les méritants devant le prophète. Il était loin. On a tout apprêté. Mais on n'a rien commencé. Jusqu'à ce qu'on aille le chercher. Même si tu n'es pas là. Là où on est en train de décider. Parce que Dieu t'a choisi pour ça. Le choix ne sera porté sur personne. Si tu le crois, dis amen très fort. Cette année, c'est une année particulière. C'est une année particulière. Cette année, c'est une année particulière. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? S'il te plaît. J'allais. Je veux parler très sérieusement à quelqu'un. Mets de côté tes prières qui ne tiennent pas compte des règles. Mets ça de côté. Ça ne donnera rien. L'athlète n'est pas couronné, n'est pas récompensé, n'est pas médaillé s'il ne compétit pas selon les règles. Reconnais que c'est pourquoi ça ne marche pas. Frère, les règles sont comme des lois. Quand je parle de loi, je ne parle pas de commandement. Mais je parle d'un rapport cause-effet. Si tu fais dessus, tu auras les effets en même temps. Frère, que ta tête change aujourd'hui. Que cette année soit pour toi une année d'observation des règles. L'observation des principes. Et tu verras que tes efforts seront couronnés de succès. Ce que tu as réclamé. Et tu n'as jamais fait. Tu verras que cette année, ça va commencer à se passer. Pourquoi? Parce que tu observes les règles. Alléluia. Amen. Frère, celui qui met de côté les règles être disqualifié. Dis, je ne veux pas être disqualifié. Dis ça bien, je ne veux pas être disqualifié. Tu dois changer la manière dont tu faisais les choses. Si ce n'est pas conforme aux règles, à partir d'aujourd'hui, pardon, ne raisonne pas autour. Ne raisonne pas. Mets de côté tes raisonnements. Mets de côté. Finalement, en tout cas, je suis sûr, tes raisonnements ne vont jamais prévaloir sur la parole de Dieu. Finalement, tu laisseras tes raisons pour donner raison à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans chaque aspect de ta vie, là où tu manques de quelque chose, tu veux que Dieu, cette année, te bénisse avec quelque chose. Va voir les règles. C'est une manière de mettre Dieu à l'épreuve. Voici ce que tu as dit. Je fais et je t'attends. Il est le Dieu fidèle. Mais fais ça.
Mais si tu ne fais pas, tu es là à prier. À demander les résultats de ce que tu n'as pas fait. Je ne sais pas. La Bible est claire. Et Paul finit au verset 7, il dit à Timothée. Il dit Timothée, comprends ce que je dis. C'est vraiment profond. Timothée, si tu laisses de côté les règles, tu ne peux pas être couronné. Si tu ne vas pas au champ, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas recueillir les fruits. Timothée, comprends. Timothée, nous devons entendre Yahvé. Amen. Et dit en tout cas, bueno, je prie pour toi, Dieu va te donner l'intelligence pour comprendre. Alléluia. Amen. Frère, comprends. Non, viens ni Yahvé. Comprends. Ni Yahvé. Ce n'est pas la prière. Écoutez, si vous mettez les règles de côté, mes prières même pour vous ne vont pas marcher. Non. Rendez-moi la tâche facile. Apprêtez le terrain. Un terrain favorable pour mes paroles sur vous et puis mes prières sur votre vie. Est-ce que tu es incapable? David a dit, j'ai été enfant, j'ai grandi, j'ai observé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui craint Dieu manquer de quelque chose. Si tu crains Dieu, tu vivras dans l'abondance. Alléluia. Amen. Non. Tu ne vas pas mendier. Mais Dieu va susciter les gens pour te donner. Il va utiliser même des rois pour toi. Alléluia. Amen. Frère, attendez, vous allez voir cette dimension. J'ai dit les rois. Dieu va les utiliser pour vous. Attendez cette dimension. Crains Dieu. Crains Dieu. Elle a crains Dieu. Amen. Sois un chrétien juste. Nous sommes justifiés par la foi. Mais nous devons pratiquer la justice. Alléluia. Amen. Frère, tu ne peux jamais expérimenter le débordement sans donner. Là, c'est faux. On peut prier sur ta tête pendant 40 jours. Il y a plus de bonheur à donner. Qu'à recevoir, toi qui reçois de quelqu'un, souvent nous recevons de quelqu'un qui en a plus que nous, mais il y en a quelqu'un plus bas que toi, de sorte que ce que tu reçois du haut, ça coule vers quelqu'un en bas. Ouais, ouais. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Si tu veux recevoir l'amour, donne l'amour. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas moissonner. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas de ne pas prier. Nous allons prier beaucoup. Mais tout en priant, rassurons-nous que nous sommes en train de pratiquer les règles. Retiens aujourd'hui, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas compétit, combattu, suivant les règles.
Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus. Ce qui va te rendre unique. Parmi tes semblables, même dans ta famille, ce qui va faire qu'on ne va pas trouver quelqu'un comme toi. Au nom de Jésus, dans cette année, que cela commence à se passer avec toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, frère, je crois que ce qui ne s'est pas encore passé dans ta famille, ce qui ne s'est pas encore passé parmi tes semblables, les gens comme toi, tes collègues, là où aucun d'eux n'a encore atteint, je prie pour toi. Les événements qui vont manifester cela, que cela commence à se passer au nom de Jésus. Il y en a bon, oui. Ils vont te regarder et ils vont voir que quelqu'un comme lui, il n'y en a pas encore dans notre famille. Frère, toi seul, tu feras la fierté de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, je vois quelqu'un. Dieu va faire de toi un grand arbre, un arbre à ombre. Et les gens viendront se réfugier sous l'ombre de ton arbre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Ce que tu dois connaître et faire pour être particulier, que Dieu te révèle cela. Qu'il t'aide à le faire. Dans le nom de Jésus. Cette année, la main qui retient ce qui est à toi, que cette main soit prise au nom de Jésus. Je dis que cette main soit prise au nom de Jésus. Que cette main soit prise au nom de Jésus. Si Dieu t'a donné une grâce, que l'ennemi est en train de combattre pour t'empêcher de jouir de cela. Ce matin, l'ennemi qui combat la grâce que Dieu t'a donnée, sois vaincu au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Ce qui est en train de crier, tout le monde sauf lui. Derrière toi, aujourd'hui, que sa voix se taise au nom de Jésus. Nous de toi, Wado. Ce qui crie. Doena Jonam et Gajoro Melekogo. Que sa voix se taise à tout le monde. Amouwa Hewa. Mais lui, je peux pour toi. À partir d'aujourd'hui, ce qui est en train de crier derrière toi, tout le monde sauf lui. Aujourd'hui, que sa voix se taise au nom de Jésus. Que sa voix se taise au nom de Jésus. Que sa voix se taise au nom de Jésus. Que sa voix se taise au nom de Jésus. Que sa voix se taise au nom de Jésus. Que sa voix se taise au nom de Jésus. C'est une nouvelle année. Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. Les ennemis obstinés derrière toi, Dieu va les supprimer de derrière toi. La Bible dit l'année de mes rachetés est venue. Que cette année soit particulièrement ton année. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte? Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique? Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakodji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire.
programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte de Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte de Vaux. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.